Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer une astuce de mathématiques. Imaginez que vous voulez calculer très rapidement 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, dont le résultat est 15. Eh bien regardez, on prend le chiffre du milieu, 3, donc on a laissé deux chiffres de ce côté et deux chiffres de ce côté. On compte le nombre de chiffres, 1, 2, 3, 4, 5. On fait 3 fois 5 égale 15. Imaginez maintenant que vous voulez calculer très rapidement 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 égale 28. On utilise la même méthode. On prend le chiffre du milieu, 4. On laisse 3 chiffres d'un côté et 3 chiffres de l'autre pour avoir le chiffre du milieu. Il y a 7 chiffres. 4 fois 7 égale 28. Et on peut faire la même chose avec toutes les suites de chiffres qui se terminent par un nombre impair. Alors si on veut ajouter 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9, le résultat est 45. La méthode, c'est on prend le chiffre du milieu, 5 fois 9 chiffres égale 45. Imaginons maintenant qu'on attaque une suite de chiffres qui ne commence pas par 1. Eh bien, on va utiliser la même méthode. On compte qu'il y a 3 chiffres. 1, 2, 3. On prend notre chiffre du milieu, 4, fois 3 chiffres qu'on a comptés, égale 12. Et si on fait le calcul ici, 5 plus 4, 9, plus 3, 12. C'est la même méthode et ça marche pareil. La même chose avec d'autres chiffres. 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 égale 35. Donc 5 chiffres fois le chiffre du milieu. 7 fois 5 égale 35. On va juste se rappeler qu'il faut un nombre de chiffres impairs pour que cette règle marche. Allez, on fait la même chose avec des nombres un peu plus compliqués. 20 plus 21 plus 22 égale 63. Nous avons 3 chiffres, 1, 2, 3. On prend le chiffre du milieu, 21 fois 3 égale 63.